Wadanki quraanka saati noogu deeqe oo saati gacanti ballantaad nasiisay sideedaad u gudato saan ku neefla hooyo dil way kugu salaame Wadanki quraanka saati noogu deeqe Saati gacanti ballantaad nasiisay sideedaad u gudato saan ku neefla hooyo dil way Nairobi, la capitale du Kenya, va abriter demain matin la grande cérémonie d'investiture du président Kenya Uhuru Kenyatta, qui est le vainqueur des récentes élections qui se sont déroulées ici au Kenya. Cette cérémonie d'investiture donc verra la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement suite à l'invitation officielle reçue de son homologue kenyan. Le président va donc dès demain matin prendre part à la cérémonie d'investiture qui va se tenir ici à Nairobi. Cette cérémonie verra aussi donc la participation des milliers de Kenyans qui se préparent depuis des semaines pour fêter avec leur président élu, Uhuru Kenyatta, qui sera amené à prêter serment devant de milliers de Kenyans pour pouvoir être à la tête encore une fois de ce pays pendant un mandat de 5 ans. Le président de la République, Ismaïl Marghele, s'est envolé pour Nairobi le mardi 28 novembre pour participer à la cérémonie d'investiture du président réélu Uhuru Kenyatta, et ce à l'invitation de son homologue kényan qui a été réinvesti à la plus haute fonction de l'État pour un deuxième mandat de 5 ans. Aussitôt arrivé, le numéro 1 djiboutien a pris part aux côtés de ses pairs africains à la cérémonie d'investiture du président kényan Uhuru Kenyatta. La participation du président Guélé à cette cérémonie d'investiture témoigne des relations privilégiées d'amitié et de coopération existant entre les deux nations.
Outre leur appartenance à la même sous-région, Djibouti et le Kenya partagent nombre de valeurs et d'idéaux tels que la sauvegarde de la stabilité dans cette partie du monde et les efforts continus auxquels ils souscrivent pour amorcer le développement de leurs pays respectifs. Les deux pays sont en outre engagés dans les processus de pacification de la Somalie. Des forces kenyanes et djiboutiennes se trouvent au sein de la MISOM, la force africaine d'interposition en Somalie. Les deux pays ont également une convergence de vues pour œuvrer en faveur de l'intégration économique de notre région.
Please repeat after me. I, Uhuru Kenyatta. In full realization of the high calling I assume as President of the Republic of Kenya Do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya that I will obey preserve protect and defend this constitution of Kenya as by law established and all other laws of the Republic and that I will protect and uphold the sovereignty integrity and the dignity of the people of Kenya so help me God So we will take the second oath, which is the oath of due execution of the functions of office of the president. Please place lift the right hand up, and please repeat after me. I, Uhuru Kenyatta, do swear that I will always truly and diligently serve the people of the Republic of Kenya that I will diligently discharge my duties and perform my functions in the office of President of the Republic of Kenya and that I will do justice to all in accordance with this constitution as by law established and the laws of Kenya without fear favor, affection, or ill will. So help me God. Chief Justice, you may also take your seat. To the first oath, the oath of allegiance of office. That oath has 77 words. And the word Republic of Kenya appears 4 times in that oath. And the theme that runs in that oath is protection, defense, promotion of the Constitution, as well as upholding the dignity of the people of Kenya. Execution of office for the president. The oath commits the president to diligently serve the people of Kenya and perform his functions in accordance with the Constitution and do justice to all. The third document that the President is appending his signature to is the certificate of inauguration. The Chief Justice is also appending his signature to the three documents. First, the oath of allegiance of office, last set of those three important instruments. Once the freer we are to travel and live with one another, the more integrated and appreciative of our diversity we become.
the political balkanization that risks our mutual security, the negative politics of identity will recede as our brotherhood expands to embrace more Africans. Finally, to our brothers and sisters in the East African community, you are our closest friends. Our fate and yours are joined at the hip. Our troubles and triumphs are yours, and yours are ours. I will work with you, my brothers, the leaders of the East African community, to once again bring renewed energy and optimism to our union. Together, I believe we can deliver the peace and prosperity for which our citizens are crying out. Divided, we will struggle to realize the full potential of our people. As a mark of our continued commitment to you, our brothers and sisters in the East African community, from today, you will be treated like Kenyans. Après le Kenya, le président de la République s'est rendu à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, pour prendre part du 29 au 30 novembre au 5e sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Le président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh, vient juste de quitter l'aéroport international de Jomo Kenyatta, Nairobi, suite après sa participation à la grande cérémonie d'investiture de son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta. Le président va donc se rendre maintenant vers la capitale d'Abidjan, au Côte d'Ivoire, pour prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Europe.
Les chefs d'État et de gouvernement des pays africains et européens se rassembleront pour leur 5e sommet qui a pour thème principal cette année, investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Le président de la Commission européenne, le président de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union africaine seront également présents. Le chef de l'État djiboutien, Ismaël Marguelé, est attendu dans quelques heures. Ce sommet, rebaptisé donc 5e sommet de l'Union africaine et Union européenne, sert de plateforme d'échange et de dialogue entre les pays africains et européens en vue de dynamiser leur partenariat entre les deux parties. 2017 est une année déterminante pour les relations Union africaine et Union européenne, 10 ans après l'adoption de la stratégie commune Afrique. Il y a lieu de relever, Ahmad, que ce sommet Union africaine-Union européenne marque une date et une occasion décisive pour renforcer donc les liens politiques et économiques entre les deux continents. Mais avant d'aborder le volet du sommet Union africaine-Union européenne, il est à rappeler que lors du sommet de l'Union africaine tenu donc à Kigali en juillet 2016, la Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter le 5e sommet de l'Union africaine et l'Union européenne. Je vous propose de suivre à présent une présentation exhaustive de la Côte d'Ivoire, un géant de l'Afrique de l'Ouest. C'est un sujet signé avec mes confrères présents sur place, Awale Geldon, Reya Omar. La Côte d'Ivoire est située en Afrique occidentale. Elle est limitée au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Ghana, au nord par le Burkina Faso et le Mali, et à l'ouest par la Guinée et le Libéria. La Côte d'Ivoire bénéficie d'un climat généralement chaud et humide qui constitue dès lors une transition entre l'équatorial et le tropical. Le pays compte deux grandes capitales, Yamoussoukro, capitale politique, et Abidjan, capitale économique et administrative de ce pays. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a été désignée pour accueillir ce 5e sommet Union africaine-Union européenne. C'est la ville la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest francophone et la 2e plus grande ville et 3e plus grande agglomération au sein de la francophonie. Elle compte, selon les autorités du pays, 4 707 000 habitants, soit 20% de la population totale du pays, tandis qu'elle représenterait 60% du produit intérieur brut de ce pays. Ce 5e sommet Union africaine-Union européenne se tient au Sofitel Hôtel Ivoire, situé sur le boulevard Hassan II à Abidjan. Les enjeux de ce sommet sont importants tant pour l'Afrique que pour l'Europe. Comme par le passé, le sommet s'articulera autour des défis communs auxquels sont confrontés les deux continents. C'est dans la soirée du mardi 28 novembre que l'avion du président de la République, Ismaël Marguelé, a touché le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour prendre part au 5e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. À sa descente d'avion, le président de la République a été accueilli par une importante délégation comprenant notamment des membres du gouvernement ivoirien ainsi que la délégation djiboutienne ayant participé aux travaux préparatoires et que conduisait le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf. Se trouvait également à l'aéroport le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Kamil, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la Côte d'Ivoire et résident au Maroc Ibrahim Bilé, l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume de Belgique et de l'Union européenne Monsieur Omar Saïd et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie et représentant de Djibouti auprès de l'Union africaine Mohamed Idriss Farah. Le chef d'état-major commandant de la force africaine d'interposition en Somalie, le général Ousmane Nour Soubagle, était présent également. Le chef de l'État a été ensuite convié à un bref entretien avec le vice-président ivoirien au salon d'honneur de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le président de la République a ensuite été conduit à l'hôtel Sofitel où il a séjourné durant le sommet. Avant l'ouverture de ce sommet, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l'Éthiopie et représentant auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah, a précisé que ce sommet se focalisera essentiellement sur les questions relatives à la paix, la sécurité, les migrants économiques, le transfert des compétences et de savoir-faire, les échanges économiques entre les deux groupements. Beaucoup de choses, on espère. En tout cas, au moment où nous parlons, les ministres européens et africains sont en discussion, j'allais dire en négociation, pour finaliser et préparer la déclaration du sommet, qui sera une déclaration commune entre l'Union européenne et l'Union africaine. D'abord, c'est la première fois
que ce sommet a lieu dans cette appellation. Avant, c'était Afrique-Europe. Là, maintenant, c'est Union africaine et Union européenne. La particularité réside dans le retour du Maroc dans l'organisation. L'autre appellation consistait à permettre au Maroc, qui n'était pas dans l'Union africaine, de participer à nos discussions et à nos sommets. Maintenant, ils sont de plein droit pays membres de l'Union africaine et donc le format est celui-là. Ensuite, nous sommes, Djibouti par ailleurs est président du comité de partenariat. Je préside le comité de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne, mais pas seulement, entre tous les partenariats que l'Union africaine a avec les différents partenaires, que ce soit la Chine, le Japon et d'autres. Et donc aujourd'hui, nous avons travaillé au niveau des Européens, au niveau des experts, d'abord sur la déclaration qui est examinée en ce moment par les Européens. De quoi parle cette déclaration? D'abord, c'est une déclaration d'ordre politique, mais pas seulement. Pas seulement parce que ça parle également d'économie, d'intégration, de paix et de sécurité. Comment l'Union africaine pourrait aider le continent africain à rester un continent stable en matière de paix et de sécurité. Et comment, surtout, et c'est ça l'enjeu le plus important, comme c'est un sommet axé sur la jeunesse, comment permettre à la jeunesse demain de trouver des emplois sur leur continent et comment aider les jeunes africains. La majorité de la population sur notre continent est effectivement de jeunes. Et donc c'est comment pouvoir trouver et assurer l'avenir de la jeunesse sur le continent africain. Nous sommes en train de parler d'industrialisation parce que c'est ça qui est essentiel. Et donc comment permettre une industrialisation sur le continent africain susceptible de trouver un emploi pour l'ensemble de nos jeunes et d'éviter de voir ce que nous voyons à travers la presse internationale, c'est-à-dire la migration de nos jeunes qui sont d'ailleurs la force du continent africain et qui partiraient ailleurs. Et donc l'enjeu est important. Les Européens sont prêts à nous aider dans cette perspective-là et donc nous travaillons ensemble et c'est l'idée au moment du sommet, bien sûr que le président de la République sera là pour participer à ce sommet, ainsi que l'ensemble ou une bonne partie des leaders, pas seulement africains mais aussi européens, pour justement lancer cet appel, cette déclaration forte qui va concerner la jeunesse et l'avenir du continent africain. Le cinquième sommet Union africaine-Union européenne s'est ouvert dans la journée du mercredi 29 novembre à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Les chefs d'État et de gouvernement africains et européens se sont réunis pour ce sommet qui a pour thème principal investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Tradition l'oblige, les chefs d'État et de gouvernement ont été accueillis par le président du pays hôte Alassane Ouattara à l'hôtel Sofitel d'Abidjan. Outre le président Guélé, 83 chefs d'État et de gouvernement et quelques 5000 participants des 55 pays d'Afrique sont venus assister à ce sommet Union africaine-Union européenne. Du côté européen, les 28 pays membres ont été représentés, dont 16 chefs d'État et de gouvernement, notamment Angela Merkel, la chancelière allemande, et le président français Emmanuel Macron. Ce sommet sert de plateforme de dialogue entre les pays africains et européens en vue de dynamiser le partenariat entre les deux parties. Cette rencontre a été l'occasion pour les leaders des deux continents de renforcer les liens politiques et économiques. La transformation numérique de l'Afrique, l'industrialisation, la diversification des économies et le renforcement de l'entrepreneuriat sont des enjeux majeurs qui, aux yeux des décideurs économiques africains, doivent intégrer le menu des échanges lors de ce sommet. Car, estime-t-il, seul le développement économique du continent et la lutte acharnée contre le chômage des jeunes constituent des solutions réelles et pérennes contre la fuite des cerveaux en Afrique et le phénomène de l'immigration clandestine.
Le temps est ainsi donné et les défis sont énormes. Lors de la cérémonie d'ouverture du sommet des chefs d'État Union africaine, Union européenne au Sofitel Hôtel d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara a fait un plaidoyer en faveur de l'autonomisation de jeunes Africains. En effet, dans son discours de bienvenue, le président Ouattara a mis le pied dans le plat en invitant ses pairs à se fixer la grande ambition que la jeunesse est en droit d'exiger aussi bien en Europe comme en Afrique pour pouvoir se projeter dans le futur avec espoir et sérénité. La Côte d'Ivoire est heureuse d'accueillir cette rencontre qui se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne et qui marque une nouvelle étape dans l'engagement de mon pays en faveur d'une plus grande concertation internationale sur les grands défis qui nous interpellent tous. La Côte d'Ivoire est fière d'être de retour dans le concert des nations après la douloureuse crise qu'elle a traversée. Grâce à la détermination des Ivoiriens et à l'appui de nos partenaires extérieurs, nous avons obtenu des résultats appréciables dans les domaines sécuritaires, politiques et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Ces efforts ont également permis à la Côte d'Ivoire d'être classée parmi les économies les plus dynamiques au monde et d'être élue en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Je voudrais saisir l'occasion de cette rencontre pour réitérer notre gratitude à nos partenaires africains et européens pour leur soutien inestimable. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement fait suite à une série d'événements de grande importance dont nous aurons les recommandations tout au long des différentes sessions du sommet. Le rendez-vous d'Abidjan 2017 sur le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable » doit résolument marquer un tournant et une accélération du processus de modernisation du partenariat Afrique-Europe. Abidjan doit être le point de départ d'un partenariat stratégique assumé entre l'Europe et l'Afrique. Nous devons nous fixer la grande ambition que la jeunesse est en droit d'exiger, aussi bien en Europe qu'en Afrique, pour pouvoir se projeter dans le futur avec espoir et sérénité. C'est pourquoi nous devons prendre des décisions et des engagements forts, non seulement renouvelés, mais rehaussés et innovants. Pour y parvenir, je vous invite à un sursaut en vue de trouver des solutions qui serviront de levier aux changements nécessaires face notamment à trois défis majeurs. Au premier rang de ces défis, nous avons la jeunesse de la population africaine, dont plus de 60% a moins de 25 ans. Ceci constitue une opportunité, mais aussi un risque si l'on n'offre pas à cette jeunesse la formation, les emplois et les espoirs auxquelles elle aspire légitimement. Pour se faire une meilleure éducation et une meilleure formation de notre jeunesse sur le continent africain est indispensable. Aujourd'hui, moins d'un jeune sur deux accède au collège et moins d'un jeune sur quatre accède au lycée. L'enseignement technique et professionnel accueille en moyenne moins de 10% des effectifs. Ces difficultés du système de formation ont pour conséquence une incapacité de milliers de jeunes à trouver un emploi et donc à s'épanouir. Pour y remédier, des réformes courageuses et ambitieuses, accompagnées d'investissements importants dans le système d'éducation et de formation, seront nécessaires. Une mesure concrète pourrait consister en une plus grande concentration des ressources et des efforts du Fonds européen de développement dans le domaine de l'éducation et de la formation. De même, l'Europe devrait également offrir un accès plus large aux jeunes Africains qui souhaitent poursuivre leur éducation ou leur formation sur son sol. L'Afrique devra aussi continuer
de s'approprier les technologies de formation et de la communication, ainsi que le numérique, pour être de plein pied dans la nouvelle économie du savoir, car beaucoup de nouveaux emplois du futur ne ressembleront guère à ceux d'aujourd'hui. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, le second défi porte sur les menaces à la paix et à la stabilité dont l'Afrique et l'Europe sont les cibles et qui requièrent une réponse forte et coordonnée sur le modèle du G5 Sahel qui permettra de lutter plus efficacement contre le terrorisme qui frappe sans distinction l'Afrique et l'Europe. Je salue l'engagement de la France en faveur du G5 Sahel et j'encourage l'Union européenne, les pays européens et les Nations unies à faire davantage et à pérenniser cette initiative vitale pour tous. Notre sécurité dépendra également de notre capacité à régler la crise en Libye et à mettre fin par tous les moyens au traitement inhumain infligé aux migrants. L'actualité nous offre un triste exemple en Libye et nous interpelle sur une situation qui est devenue totalement inacceptable face à ce drame ignoble qui nous rappelle les pires heures de l'histoire de l'humanité. J'en appelle à notre sens de la responsabilité collective pour prendre des mesures urgentes et vigoureuses pour mettre fin à ces pratiques indignes d'un autre âge. Nous devons aussi intensifier nos efforts pour démanteler les réseaux de passeurs et de trafiquants d'êtres humains. En troisième lieu, je voudrais mentionner le changement climatique, qui est sans doute l'un des plus porteurs de dangers pour les générations futures. Nous devons tous, pays du Nord et du Sud, respecter nos engagements pris en 2015 à Paris, lors de la COP21, afin d'inverser la tendance actuelle du réchauffement climatique et ses conséquences désastreuses pour les pays du Sud. Majesté, Excellences, Mesdames, Messieurs, tous ces défis constituent des enjeux majeurs pour le continent africain, mais également pour l'Europe, auxquels il nous faut impérativement trouver des réponses audacieuses, innovantes et durables. Ces solutions requièrent d'importants moyens financiers, bien au-delà des seules ressources des pays africains. Notre plaidoyer sera donc d'accroître les investissements européens, publics comme privés, notamment dans les infrastructures de transport, d'énergie et du numérique, qui permettront d'améliorer la compétitivité des économies africaines. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant de conclure, m'adresser à la jeunesse qui sera au cœur de nos échanges. Chers jeunes, vous incarnez l'avenir de notre continent par votre dynamisme, votre ingéniosité et votre extraordinaire potentiel. Vous êtes un atout inestimable pour l'Afrique. Nous devons tout mettre en œuvre pour votre épanouissement sur notre continent qui a tant besoin de vous. Je vous invite à avoir foi en l'avenir, à ne pas vous lancer à l'aventure au péril de vos vies. Les leaders que nous sommes ont l'obligation de poursuivre et d'intensifier nos efforts pour vous offrir davantage d'opportunités et d'emplois, pour améliorer vos conditions de vie dans un environnement sécurisé, démocratique, qui protège les libertés fondamentales. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en souhaitant plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Alpha Condé, s'est félicité de ce que le 5e sommet Union africaine-Union européenne ait lieu en terre ivoirienne. Il a réaffirmé sa confiance dans le partenariat Union africaine-Union européenne
Alpha Condé a rappelé que lors du quatrième sommet qui s'est tenu à Bruxelles en avril 2014, des engagements ont été pris dans le cadre d'une déclaration politique assortie d'une feuille de route pour la période 2014-2017. J'éprouve toujours un immense plaisir à me retrouver dans cette belle ville d'Abidjan, capitale d'un pays frère, voisin, dont la généreuse hospitalité toute africaine mérite notre profonde gratitude. Je suis d'autant heureux que je me retrouve avec mon frère et ami, le président Alassane Dramane Ouattara, sous la conduite duquel la Côte d'Ivoire s'affirme sur le chemin du développement et de l'intégration économique africaine. En ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, je voudrais dire toute mon appréciation des dispositions idoines prises par les autorités ivoiriennes pour créer le cadre idéal nous permettant de faire face aux devoirs qui nous interpellent, celui d'assurer le renouveau du partenariat Union européenne-Union africaine. Majesté, Mesdames, Messieurs, lors de notre quatrième sommet qui s'est tenu à Bruxelles en avril 2014, nous avons pris des engagements dans le cadre d'une déclaration politique assortie d'une feuille de route pour la période 2014-2017. En dépit des progrès indéniables réalisés dans notre coopération, l'atteinte de nos objectifs est compromise par des défis sécuritaires et humanitaires. La persistance des conflits et la recrudescence des activités terroristes, sans occulter bien sûr les changements climatiques et la question cruciale du financement du développement. Ensemble, l'Union européenne et l'Union africaine se sont investis pour apporter des réponses appropriées à ces préoccupations majeures dans le cadre du G5 Sahel. Et là, nous saluons le rôle joué par la France et le président Macron et nous invitons tous les autres pays européens à se joindre à la France pour permettre au G5 Sahel d'être opérationnel. Du sommet de la Valette sur la migration, des COP 21, 22 et 23, de la conférence des Nations Unies sur les ODD et de celle d'Addis Abeba sur le financement du développement. Voilà pourquoi nous abordons avec un optimisme fondé ce cinquième sommet Union africaine, Union européenne, qui a pour thème investir dans la jeunesse pour une croissance inclusive, accélérée et un développement durable. Ce thème est d'autant plus d'actualité que l'Union africaine considère que la dividende démocratique comme le facteur essentiel du développement. En 2014, à Bruxelles, l'atmosphère était clairement à l'optimisme. Ces deux dernières années ont, hélas, beaucoup changé les perspectives concernant l'Afrique. On ne pouvait pas en effet imaginer à Bruxelles que les prix des matières premières et la demande internationale concernant ces ressources allaient diminuer de manière significative. On ne pouvait pas imaginer aussi que le ressort central du modèle de développement chinois allait secouer l'ensemble des indicateurs économiques globaux. On pouvait tout aussi, au tout au plus, prévoir que le système financier provoquerait des taux d'intérêt négatifs ou encore la volatilité des taux d'échange et une diminution de la consommation globale. On n'avait pas à l'esprit que l'irruption du populisme pouvait déboucher sur de violentes réactions à l'égard des migrants. On n'imaginait pas que l'accélération des changements technologiques irait de pair avec une accélération accentuée des inégalités. Majesté, Mesdames, Messieurs, l'Afrique a connu en 2015-2016, tout comme d'autres régions du monde, les pires années depuis le début du siècle, qu'il s'agisse du recul des progrès dans le domaine sociopolitique, de l'apparition du terrorisme dans le Sahel et des zones arides. À cette violence est venue s'ajouter la détérioration des indicateurs macroéconomiques au cours des deux dernières décennies. Le contexte mondial ne nous a pas aidés non plus. La conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement ou le COP21, notre continent s'est présenté plus préparé que jamais. Au niveau continental, nous avons bien avancé sur des dossiers importants majeurs, comme la mise sur pied de notre fonds de paix, l'établissement d'une zone de libre-échange ou la réforme de notre organisation continentale. Ce que je veux dire, c'est que nous avons progressé dans les domaines où il est possible d'avancer. Des difficultés ne nous ont pas épargnés, mais aujourd'hui, on peut se féliciter de ne pas avoir à baisser les bras. Comme vous le savez,
l'Afrique comptera en 2050 près de 2,4 milliards d'habitants, majoritairement composés de jeunes. Des stratégies et mécanismes destinés à promouvoir l'épanouissement des jeunes, l'autonomisation des femmes et la protection des jeunes filles sont plus que jamais nécessaires en vue de faire de cette explosion démographique une opportunité économique assurant une croissance soutenue et durable. Il va sans dire que la prospérité que nous ambitionnons passera nécessairement d'abord par le développement du secteur rural, principale source de revenus et gage de la sécurité alimentaire dans nos populations. Il nous appartient de mobiliser les financements nécessaires pour l'aménagement des terres et la maîtrise de la gestion de l'eau. La prospérité de l'Afrique passera aussi par le développement des infrastructures, notamment énergie, base des industrialisations du continent, source de valeur ajoutée et de création de milliers d'emplois pour les jeunes. Je voudrais ici saluer la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine pour la mise en œuvre de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, conçue par les Africains pour les Africains. Et nous saluons le rôle joué par notre banque, la BAD, sous la direction de notre frère. Enfin, nous ne saurions parler de véritable prospérité si on ne donnait à nos jeunes les compétences adéquates pour accéder au marché du travail. C'est pourquoi je tiens à mettre un accent particulier sur le soutien à la santé, à l'éducation et à la formation professionnelle. Je souhaiterais également souligner l'importance de promouvoir le secteur privé en Afrique en raison de sa capacité d'absorber le plus grand nombre de demandes d'emploi, en particulier chez les jeunes. Il me semble par conséquent indispensable de promouvoir des investissements privés en Afrique tout en créant des conditions favorables pour l'investisseur et surtout d'approfondir le processus d'intégration économique de notre continent. Majesté, Mesdames, Messieurs, comme je l'ai toujours dit, l'Afrique a décidé de parler d'une même voix et de prendre en main son destin. Notre intégration politique, économique et financière ne peut que renforcer notre crédibilité. Le partenariat Union européenne-Union africaine se fonde sur un nouveau paradigme gagnant-gagnant dans la perspective de la mise en œuvre de l'agenda 2030 des CDD, des ODD, pardon, qui rime avec la vision 2063 de l'Afrique, dont mon cher frère est le champion. Les progrès indéniables enregistrés par l'Afrique dans le cadre de la bonne gouvernance et de la croissance montrent à suffisance la capacité de notre continent à entretenir des partenariats équilibrés et viables. En ce qui concerne la bonne gestion, notre région a encore bâti tous les records de progrès de l'indice de climat de la Banque mondiale. Notre dette a certes augmenté, mais elle est toujours en dessous de 50% par rapport au PIB, c'est-à-dire un des taux les plus bas du monde. Par ailleurs, notre inflation en général est maîtrisée. Nos investissements en infrastructures sont ambitieux. On ne connaît plus les grandes inaugurations de grands travaux. La forte croissance de la demande d'électricité en Afrique durant les prochaines décennies consécutive à la progression de sa population, demande davantage d'investissements dans ce secteur stratégique. D'où la priorité qu'il convient d'accorder à ce secteur. J'ai la ferme conviction qu'ensemble, nous pouvons juguler la pauvreté en luttant contre ses causes profondes. L'interdépendance entre l'Europe et l'Afrique nous commande à œuvrer pour la mise en œuvre en place d'un espace de coopération solidaire capable de serrer davantage les relations qui ont uni nos peuples tout au long de l'histoire. La paix, la sécurité et le développement durable demeurent le fondement de notre partenariat. Nous serons ensemble pour relever les défis sécuritaires et humanitaires, notamment dans le Sahel. Nous conjuguerons nos efforts dans la lutte implacable contre le terrorisme, le trafic de drogue et la traite des êtres humains. Donnons-nous la main pour apporter des solutions plus humaines à cette crise migratoire qui vicie les relations entre le Nord et le Sud. Nous condamnons énergiquement les actes abominables commis dans certains pays de la route migratoire de l'Afrique vers l'Europe, notamment en Libye. Ces faits sont intolérables et inacceptables. La communauté internationale doit prendre des mesures fermes pour mettre fin à ces crimes de notre âge. Majesté, Mesdames, Messieurs,
Au moment où nous nous engageons vers la mise en place d'un nouveau partenariat, je voudrais déjà me féliciter de l'appui constant de l'Union européenne qui demeure l'un des partenaires privilégiés de notre continent. Je tiens à mettre en exergue le Fonds fiduciaire d'urgence pour la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière, comprenant un volet pour le financement de l'emploi jeune en Afrique. Le plan d'investissement extérieur mis en place pour financer le développement durable en Afrique, ainsi que les opportunités offertes par l'UE pour faire face aux méfaits des changements climatiques sur le continent. Majesté, Mesdames, Messieurs, je reste confiant en l'avenir radieux de la coopération européenne-Union africaine, car les priorités du nouveau partenariat ont été choisies par l'Afrique et traduisent les attentes de nos populations, notamment en matière de paix et de sécurité, développement économique et social, ainsi que de la bonne gouvernance. L'atteinte de ces objectifs profitera avant tout, bien naturellement, à la jeunesse qui trouvera en Afrique la clé de son bien-être et de son épanouissement dans des États désormais plus résilients. Vive la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. C'est une Europe humble et désireuse d'affronter en parfaite cohésion avec l'Afrique les défis du moment et ceux à venir, a exprimé à la tribune du sommet le président de la Commission européenne, le luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Il a rappelé dans son discours que le partenariat entre Afrique et Europe doit être d'égal à égal. Nous avons eu le premier sommet entre l'Afrique et l'Union européenne il y a exactement 17 ans au Caire. Nous ne sommes pas nombreux à avoir assisté à ce premier sommet, mais mon voisin, le secrétaire général de l'ONU, et moi-même, nous participions à ce sommet qui fut historique, puisque ce fut le premier, mais ce fut aussi un sommet riche en controverses et en débats parfois conflictuels. Mais depuis la déclaration que nous avons adoptée au Caire, nous avons fait de notables progrès, puisque notre partenariat s'est approfondi, élargi, et nos relations économiques se sont amplement développées. Oui, progrès, il y a eu. Oui, résultats, il y a eu. Mais il nous reste encore beaucoup à faire. L'Europe, elle, sort lentement d'une décennie à faible croissance. La croissance économique est palpable, est arrivée dans tous les pays de l'Union européenne, mais la croissance de l'Afrique, elle, a été impressionnante. Mais très souvent, elle a été insuffisamment inclusive. Je parle de la croissance en Afrique, je pourrais faire la même remarque au sujet du caractère insuffisamment inclusif de la croissance en Europe, puisque partout, les disparités entre pays et entre régions augmentent, alors que notre but à nous tous devrait être de les réduire. La croissance en Afrique n'a pas atteint le milieu de l'agriculture, puisque les petits exploitants agricoles ont du mal à doper leur productivité, et les entreprises européennes, les investisseurs européens, très souvent connaissent de difficultés pour accéder aux marchés africains et ainsi contribuer au développement du secteur privé. Nous devons remédier à toutes ces faiblesses. La population européenne, vous le savez, vieillit, alors que la population africaine se distingue par une évolution démographique tout à fait impressionnante. D'ici la moitié du siècle, plus de la moitié de la croissance démographique globale sera africaine. La population du continent africain aura augmenté de 1,3 milliard d'habitants d'ici 2050, et plus que 50% de la population africaine sera constituée à ce moment-là par les jeunes, d'où l'importance de toutes nos politiques et européennes et africaines et euro-africaines orientées vers les jeunes. L'agenda 2063 de l'Union africaine nous invite à nous consacrer sur trois segments d'investissement. Investir
dans les personnes à travers une meilleure éducation d'abord, investir dans les infrastructures et les chaînes de valeur ensuite, et investir finalement dans une meilleure gouvernance et un environnement plus propice aux affaires. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle tous ces sujets que je viens de mentionner sont au cœur des travaux de notre sommet. Mais nous, les Européens, nous ne sommes pas venus ici pour prodiguer des conseils, encore que la spécialité européenne consiste à faire la leçon aux autres. Nous sommes venus pour redynamiser notre partenariat, qui doit être un partenariat d'égal à égal. Cela nécessitera la mobilisation de moyens financiers supplémentaires, et c'est exactement dans ce domaine-là où nous avons décidé d'agir. Comme nous l'avons fait en Europe en lançant le fonds pour les investissements stratégiques, nous avons développé un plan d'investissement externe pour l'Afrique, susceptible de mobiliser 44 milliards d'euros d'investissement d'ici 2020, notamment et essentiellement en Afrique. Nous proposons d'investir dans les secteurs d'avenir comme les énergies renouvelables, mais ce n'est pas l'Europe qui dicte, c'est l'Afrique qui choisira. Et je voudrais d'ailleurs me féliciter de notre coopération dans le cadre de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables qui fut lancée lors du sommet en décembre 2015 à Paris. Initiative africaine pour les énergies renouvelables qui nous a permis de lancer 19 nouveaux projets susceptibles de générer, eux, 4,8 milliards d'euros d'investissement au total. Notre partenariat, qui doit être d'égal à égal, je le rappelle, ne saurait pourtant se limiter aux échanges entre responsables politiques et institutions. Il faut aussi faire en sorte que nos jeunes qui tiennent entre leurs mains le destin qui sera celui de demain doivent être associés à notre projet, et je me félicite du fait que de très nombreuses universités africaines participent aujourd'hui au programme Erasmus+ de l'Union européenne. Voilà, notre partenariat a bien avancé, tout n'a pas été couronné de succès, mais nous pouvons noter que les intentions qui furent les nôtres il y a 17 ans ont été en grande partie réalisées. Tout n'a pas été fait, mais je crois très sincèrement que l'Afrique et l'Europe, si elles le veulent, peuvent faire de grandes choses ensemble. Merci de votre attention. Le cinquième sommet Europe-Afrique s'est achevé jeudi 30 novembre à Abidjan avec la traditionnelle photo réunissant les dirigeants des deux continents. Les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord sur l'engagement fort des dirigeants des deux continents à lutter contre le drame de l'immigration clandestine et de ses dérives comme les marchés d'esclaves en Libye lors de la séance de clôture. Plus de 700 millions d'Africains en moins de 25 ans, soit 60% de la population du continent, conscient de la nécessité d'agir sur le long terme pour donner un avenir à la jeunesse africaine, les dirigeants africains et européens ont convenu au sommet d'intensifier les efforts pour lui offrir une éducation de qualité. C'est ce qu'a déclaré le président français Emmanuel Macron au micro de la radio-télévision de Djibouti. Monsieur le président Macron. Et je pense qu'aujourd'hui, le message que nous voulons envoyer, c'est un message qui consiste à dire qu'il ne faut pas que les investisseurs internationaux commettent les mêmes erreurs que par le passé. On doit écouter la jeunesse africaine pour savoir où elle veut aller et investir avec elle et pour elle. C'est ça ce qui sera le moteur de la France et de l'Europe. Antida ugu badan
africana maso haib sanayo oyo rejabuto antida ugu badan africana maso haib sanayo Haraisa Allah iba wayna kutigay Jabuta Jabuta hoda barwaqa Jabuta Jabuta hoda barwaqa Halkene guli haraisa Allah iba wayna kutigay Jabuta Jabuta hoda barwaqa Jabuta Jabuta hodan barwaqa